Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une petite astuce ou d'un petit glitch, vous voyez ça vraiment comme vous voulez, et qui vous permettra tout simplement de tirer légèrement plus vite avec votre lance-roquette sans perdre de munitions. Donc c'est vraiment pas mal et intéressant comme astuce. Donc certes que vous n'allez pas faire ça tout le temps, c'est assez chiant est un peu long, mais c'est vraiment très très fun à réaliser quelques fois avec vos amis si jamais vous voulez exploser des personnes sans forcément user des roquettes. Donc du coup voilà, donc pour réaliser cette manipulation vous allez tout simplement appeler Meriwether et demander une frappe aérienne. Une fois que vous avez demandé cette frappe aérienne, vous allez avoir une torche et vous allez tout simplement vous dépêcher de la lancer. Vous allez tout simplement sortir votre lance-roquette et viser cette fameuse torche rouge qui sera par terre, et vous allez tout simplement viser et vous allez tout simplement attendre et vous allez tout simplement voir que sans appuyer sur les gâchettes, et votre lance-roquette va tirer des balles tout seul et vous n'aurez pas perdu de munitions. Donc j'ai toujours 17 munitions sur ce que j'avais juste avant, donc là maintenant je retire et je perds des munitions, c'est tout à fait normal. Donc c'est temporaire hein, c'est pas tout le temps, mais c'est vachement fun étant donné que les roquettes ne prennent même pas le temps d'être rechargées, elles se tirent automatiquement. C'est vraiment très très fun. Donc voilà, mon pote va vous montrer un peu ce que ça fait dans sa vue, histoire de vous montrer un peu ce que ça fait. Donc vous allez voir, donc il a placé sa torche. Je fais une petite dédicace à Diablox et à Nautique au passage. Et regardez un peu, les roquettes partent, il a même pas le temps quasiment de recharger et les roquettes partent vraiment très très rapidement et vous ne perdez pas de balles. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette petite vidéo qui est vraiment très très fun et c'est une astuce qui va plaire à énormément de personnes je pense. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et pourquoi pas le partager sur Facebook et Twitter afin d'épater vos amis et qu'ils se tapent un peu de barre. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.